championne espoir, la numéro 34, Duf Lima, au GAEC Duf Holstein des Hautes-Pyrénées. Réserve championne espoir, la numéro 55, Genesis Idaline, à la SCL Genesis de la Seine-Maritime. Championne jeune, la numéro 66, Ukiros, au GAEC Les Vignes Rousses des Pyrénées-Atlantiques. Réserve championne jeune, la numéro 70, JB Toulek Idwin, au GAEC Toulek du Finistère. Championne adulte, la numéro 147, Bellissima, au GAEC de la Cour Guittier d'Ille-et-Vilaine. Réserve championne adulte, la numéro 98, Gold Black du Tombuis, au GAEC du Tombuis et au GAEC derrière la tour de la Meuse. Voilà, ce concours se termine. Avant de clore par la grande championne, je voudrais, dans ce contexte difficile, féliciter tous les éleveurs qui ont fait l'effort de se déplacer, de montrer leurs plus belles vaches, de faire l'effort de venir à Paris, parfois de très loin. Vous avez vu des vaches qui venaient des quatre coins de la France. Je voudrais donc féliciter tous ces éleveurs, tous les préparateurs qui ont aidé à la préparation des animaux. Vous avez pu voir les vaches toutes en très bonnes conditions, très bien préparé, très bien clippé, donc il y a beaucoup de travail dans l'ombre. Et donc je vous demande de les applaudir bien fort.
Je voudrais remercier aussi ceux qui ont travaillé aujourd'hui sur ce ring. Notre ringman, Sylvain, nos ramasseurs de bouse, Perrine et Christophe. Et bien sûr, féliciter notre juge Jean-Philippe Duchange qui nous a donc éclairé de ses commentaires toute cet après-midi. Donc je vous demande de l'applaudir bien fort. Ok, donc on arrive au terme de ce concours. Je tiens à remercier Primochten France, au conseil d'administration de l'UPRA, qui m'a proposé d'officier. C'est un moment unique. Paris, c'est la capitale de la France, et quand on vient juger ici, c'est quand même pas anodin. C'est un plaisir immense, et je vous en remercie de m'avoir convié à juger. Je tiens à remercier aussi Sylvain pour le travail de circulation des animaux sur le ring, toujours impeccable. Remercier évidemment ceux qui sont restés à la maison pour me remplacer. C'est Béatrice qui fait le boulot, qui va me rejoindre sur la ferme prochainement. C'est aussi Sandra, la salariée, qui travaille avec nous et qui assure ce soir. Donc j'en profite de pouvoir le dire et de les remercier pour le boulot qu'ils font à mes côtés. Mais surtout, je voudrais, en cette période difficile, et saluer vraiment le travail des éleveurs. Le courage aussi de venir là, la période est rude, elle est terrible, on en chie comme des ânes, on n'est pas remercié, Bruno l'a bien fait savoir tout à l'heure. Je pense qu'il faut garder quand même une vision positive, il va forcément y avoir des chamboulements, on peut peut-être aussi provoquer des chamboulements, c'est pas normal aujourd'hui de ne pas être rémunéré à un prix auquel on ne peut pas vivre. On est peut-être le seul métier, et là, s'il y a des Parisiens autour du ring, il faut quand même qu'ils entendent, quoi. Il y a un métier en France où vous faites le job, vous levez de bonne heure le matin, vous couchez tard le soir, vous pouvez avoir des vélages, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de dimanche, et vous n'êtes pas payé à la juste valeur. On dit souvent, c'est dans les périodes difficiles qu'il faut rester optimiste, et je pense aussi qu'il faut savoir aller chercher peut-être des opportunités. Il y a moyen de bouger des choses, que ce soit par le biais des nouvelles technologies, tout ça. On voit bien ce qui se passe avec les taxis, les ubérisations, tout ça. Peut-être que nous, en agriculture, on a des pistes là-dessus, je ne sais pas. Mais je sens qu'il y a moyen de faire des choses. Je sais que nous, personnellement, on envisage aussi des transformations pour être moins dépendants de notre organisme collecteur. Mais simplement, je voudrais vous réserver un tonnerre d'applaudissements pour les éleveurs qui ont fait le job, qui se sont déplacés, qui nous ont fait une présentation de haute qualité. Bravo à eux. Allez, sans plus attendre, on va envoyer le jingle pour désigner notre grande championne 2016 et sa réserve. Allez, allez.
Voilà, grande championne de ce concours général, Primochtchène 2016, Bellissima au grec de la Cour Guitier en Ille-et-Vilaine, et réserve de grande championne Gold Black du Tombuy au grec du Tombuy, grec derrière la Tour de la Meuse. Alors je vous rappelle qu'après, maintenant que ce concours est terminé, dans quelques minutes, vous pourrez venir apprécier la grande championne et un pot sera offert par le CRID Mutuel à tous les éleveurs participants. Voilà, on remet l'écharpe de gagnante autour du cou de Bellissima. Une vache qui a 10 ans cette année. Consécration donc pour Bellissima, donc avec ce titre de grande championne du concours général 2016. Et donc notre charmante hôtesse Ingrid remet le trophée donc Anthony Buffet du GIAC de la Cour Guitier. On y associe son père Roger qui est resté à la maison pour faire le travail. Donc le GIAC de la Cour Guitier d'Ille-et-Vilaine qui remporte ce prestigieux championnat, grande championne du concours Primochtchène 2016.